je suis dans un état de fatigue lamentable, mais c'était une trop trop bonne journée. Vraiment, c'était une super journée. Enfin, vous l'avez compris, j'étais en tournage avec Stéphane, on a bien rigolé. Zéliana, elle s'est bien amusée aussi, mais honnêtement, comme elle n'a pas fait la sieste et qu'elle est réveillée depuis 8h du matin, et qu'à chaque fois qu'elle dort pas à la maison, ben, vous savez, c'est pas le même sommeil qu'elle a, c'est un sommeil un petit peu plus léger et perturbé. Et ben, elle était super fatiguée, donc elle était à 2000. Mais voilà, dans l'ensemble, ça s'est trop bien passé. J'ai hâte de vous sentir un petit peu plus sur ce tournage. Je vais pas tout vous dire maintenant, vous l'avez bien compris. Mais voilà. Et par rapport à la frayeur de Zéliana, elle est tombée dans les escaliers, mais pas en mode tomber la tête la première. En fait, elle a glissé. En fait, je l'ai pas vue. Moi, je savais pas qu'il y avait des escaliers. Sinon, bien évidemment, bah, jamais de ma vie, je l'aurais laissé aller. Ça s'est fait en une fraction de seconde. Et quand je vous dis que mon cœur a lâché, mon cœur a lâché, je sais pas, carrément, apparemment, j'ai crié, j'ai couru, je me souviens même pas de ça, pour vous dire. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était... Mais Dieu merci, elle a pas eu une seule égratignure, un seul bleu. Donc, je pense que c'était beaucoup plus de peur que de mal, mais c'est trop dangereux. Et je vous jure, les enfants, une demi-fraction de seconde, genre, leur vie, elle peut basculer, hein, c'est réel. Donc voilà, franchement j'ai eu trop trop peur, mais vraiment, je te remercie, rien, mais genre rien, 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 c'est un truc de ouf. Donc sur ce, je vais me doucher et je vais aller dormir. Parce que demain c'est une grosse journée aussi, mercredi aussi, jeudi aussi, et ce week-end je vais décompresser.